you've talked about physical pain. J'ai bien entendu dans le cours que la douleur est vraiment reliée à la culpabilité. So she understood in the course that pain was linked with guilt, to guilt. Mais moi je me retrouve dans une situation où je me sens coincée parce que cette douleur en fait me ramène toujours au corps. Okay, but she finds herself in a situation where she feels she's a little stuck because the pain brings her to the body. Voilà. Et donc je pour la paix, ça va mieux, mais des fois ça me fait replonger ou perdre espoir. Mm. So it's better for peace, but sometimes it gets her to dive again into being desperate. Yes, both the experience of pain and pleasure draws your attention and awareness to the body. Les deux expériences, que ce soit le plaisir ou la souffrance, attirent notre attention vers le corps, toujours. And the more you get into meditation and forgiveness, your awareness is lifted from the body. Et plus on médite ou plus on pardonne, notre attention est en quelque sorte se s'élève au-dessus du corps. And so you become less and less aware of the body. Et on devient de moins en moins conscient du corps. Just like in a deep state of meditation, you can lose awareness of the body. It's the same practice. Comme dans un état très profond de méditation, on perd littéralement la conscience du corps. C'est le même genre de pratique. So, when you feel the experience of pain, you must allow that emotion to come into awareness. Alors quand on ressent l'expérience de la souffrance, on doit la laisser remonter à la conscience. Because the whole subconscious mind was made to push the pain out of awareness. Parce que tout l'esprit subconscient a été fabriqué pour réprimer cette douleur. And then you feel like numb, or you feel like you're walking but you're not alive. Et on se sent en quelque sorte anesthésié, comme si on marchait mais qu'on n'était pas vraiment vivant. So, for me, the experience was welcoming everything that I had pushed out of awareness, welcoming it back into awareness. Alors pour moi, l'expérience était de réaccueillir dans ma conscience tout ce que j'ai repoussé de ma conscience, tout ce que j'ai réprimé de ma conscience. And in this process, I experienced a lot of physical and emotional pain that was coming up. Et durant ce processus, j'ai fait face à beaucoup de douleurs mentales, émotionnelles et physiques pendant ce processus. So, for example, when I was younger, I was raised with the belief that the boys are not supposed to cry. Alors, quand j'étais jeune, par exemple, on m'a élevé avec la croyance que des garçons ne sont pas censés pleurer. Yeah. So, I maintained that belief for many years, and I didn't cry very much, but I repressed a lot. Alors, j'ai maintenu cette croyance en moi pendant des années. Et en fait, j'avais envie de pleurer, mais je ne me laissais pas pleurer. Alors j'ai repoussé, j'ai réprimé. But then, when I was up in the university, in my 20s, I turned the other direction. I let all of those emotions come up. Et quand j'en suis arrivé vers 20 ans à l'âge de l'université, j'ai fait demi-tour en fait. J'ai laissé toutes ces émotions remonter. Yeah, it was very intense. C'était très intense. I would say, how can people go through this healing process and still function in the world? Et je me disais, comment est-ce que les gens peuvent faire ce processus de guérison et toujours être dans le monde, fonctionner dans le monde? Yeah. It was like a disabling intensity. C'était comme une intensité déstabilisante. Yeah. Like for example, I was in university, but I could hardly continue on with my studies. It was so intense. En fait, j'étais à l'université, par exemple, mais j'avais beaucoup de mal à continuer avec mes études tellement c'était intense. Yeah. And this seemed to go on for a period of a number of years. Et pendant plusieurs années, ce processus a continué. And I kept feeling like I was doing something wrong.
Et je croyais, je sentais que je dois faire quelque chose de pas bien. But the spirit would say, no, this is very good. This is the way that it's unfolding. This is your healing. Mais l'esprit me disait, non, c'est très bien. C'est comme ça que ça se déploie. C'est comme ça que ça se passe. Tu es en train de guérir. Yeah. So, I learned not to hide and protect anything. Alors j'ai appris à ne pas me cacher et à ne pas protéger quoi que ce soit. If my emotions would come up and I would get fired from a job or a relationship would break up, I would have to say, okay, that has to be okay. Si une émotion remontait à la surface et si je devais être viré d'un travail, fired from a job ou une relation une relation de couple par exemple s'arrête, je me disais bon ben c'est ok, si c'est comme ça c'est que ça doit être comme ça, yeah. C'est que ça doit être vécu. And then after years of working with A Course in Miracles, I would talk to Jesus and get direct answers. Et puis après des années de travail avec le Cours en Miracles, j'en venais à parler à Jésus et avoir des réponses directes. And he would say the pain that you feel in your body and the emotional pain was on top of many things that were working underneath. Et il me disait que la douleur que je ressentais dans le corps, in the emotional body, you said? Pain in the body and emotional pain. Okay. Il me disait donc que la douleur que je ressentais dans mon corps et au niveau émotionnel n'était qu'en fait que des... Can you say that again? The physical pain and the emotional pain were the effect of things that were underneath. Okay. Était en fait l'effet de choses qui étaient en dessous. Yeah. So I had to start to realize that there were a lot of thoughts and beliefs that I had not questioned in my subconscious mind. Alors j'en suis venu à réaliser que il y avait beaucoup de choses, beaucoup de croyances que je n'avais pas encore interrogées ni questionnées, qui étaient logées dans mon subconscient. Yeah. And that's what A Course in Miracles helped me do. It helped me go underneath and get in touch with those thoughts and those beliefs. Et voilà ce que le Cours en Miracles m'a aidé à faire. Il m'a aidé à rentrer en contact en dessous avec ses croyances. It was very direct too. It's like I was being taken inside very fast. Et c'était très direct. C'est comme si on m'amenait à l'intérieur très rapidement. And then the spirit would say to go see a movie. I would cry. I would laugh. I felt sad. But I would learn from those emotions. Et l'esprit me disait, vas-y, va voir un film. Et je pleurais, ou j'étais en joie, et je rigolais. Mais l'esprit me disait d'apprendre. J'en suis venu à comprendre que j'allais apprendre à partir de ces émotions. I would learn from these emotions. I would learn, yes. And when I felt intense, the pain that seemed like physical pain, I... learn to choose a miracle. Et quand je ressentais une douleur intense, comme une douleur physique intense, ce que je choisissais, c'était le miracle. It was like a release. C'était comme une libération, merci. And the pain would vanish instantly. Et la souffrance s'arrêtait instantanément. And those were very powerful experiences in building confidence and trust in the spirit. Et toutes ces expériences étaient très très importantes pour construire la confiance en l'esprit, la foi. Quand tu dis je choisissais le miracle, est-ce qu'il peut développer? Could you develop when you said I chose miracles? I chose the miracle. J'ai tout lu, hein, mais j'ai quand même. She read everything, but she still wants to hear it. Yeah. Yes. Yeah, I was being told that I was being trained to be a miracle worker. On me disait que j'étais. Je m'entraînais, j'étais formé à être un travailleur de miracle, yeah. Un ouvrier de miracle, un faiseur de miracle, merci. Yeah. And that I needed to become more consistent in the miracle. Et je devais devenir de plus en plus constant, et consistant même, dans ma façon, dans les miracles. Yeah. And I did that by not making exceptions to it in my mind. Et j'ai fait ça en ne faisant aucun compromis, en ne permettant pas d'exception dans mon esprit. So when the fear would rise up, instead of saying, oh no, this is terrible, I would say, oh, this is a big opportunity. Alors quand la peur remontait, à la place de dire, oh non, je disais, ah, c'est bien, c'est une belle opportunité. Yes. And the worse the fear was,
the more I knew it was an even bigger opportunity. Et plus grande était la peur, pire était la peur, plus je savais que l'opportunité était grande. I actually learned to welcome the fear. J'ai en fait appris à accueillir la peur. And that's how it left. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Et la douleur aussi. And the suffering with it, the yes. pain with it. Oh yes. Oui. Vous n'avez plus de douleur physique. You don't have any more physical pain? No, I haven't had a painful day. It's just you get in the flow of the miracles and it's very natural to just feel peaceful. Non, je n'ai pas eu de jours pénibles ni difficiles. Quand on rentre dans le courant comme ça, in the flow of miracles, you said? Yes, the flow. Dans le flow du miracle, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Yeah. Plus rien n'est vraiment difficile. And one of the important things to realize was that first I had to realize that all pain was mental and all illness was mental. La première des choses dont je devais me rendre compte, c'est que toutes les douleurs sont mentales. Toute la souffrance est mentale. Yeah, it's a trick of the ego to try to project the pain into the world and solve the problem in the world. C'est un truc de l'ego de projeter les problèmes à l'extérieur dans le monde et croire qu'ils sont dans le monde. Pain or problems? Pain, you said. Pain. It could be both. Either la douleur ou les problèmes, pardon. Yeah. In the world or in the body, which is the same. Yes, it's the same. Right, it's fine. Yes.